Bonjour Catherine. Bonjour Thierry. Bonjour Catherine. Bonjour Thierry. Bonjour Catherine. Bonjour Thierry. Quelle est votre situation de famille ? Ma situation de famille ? Vous êtes mariée, célibataire, divorcée ? Vous vivez avec quelqu'un ? Célibataire. Bien ! Et vous ? Moi aussi. Bien. Imaginez que vous rencontriez quelqu'un qui vous plaise, un homme. Inévitablement, cela provoquerait un changement dans votre vie. Inévitablement, ouais. Bah, inévitablement, ce changement provoquerait une crise. Ah bon ? Enfin, non, enfin, pas tout de suite, j'espère. Bah, imaginez que vous décidiez de vous marier, d'habiter ensemble. Y aurait bien une période d'ajustement à traverser. Des habitudes à remettre en cause. Bah, peut-être, je sais pas, moi. J'ai pas beaucoup d'habitudes, hein, vous savez. C'est ce que vous croyez. Tout changement, même positif, est une remise en cause. Donc une crise. Vous me suivez ? Oui, je vous suis. Enfin, oui. Mais sortons vite de la crise, je vous prie. La crise nous a fait naître à une nouvelle situation. Voici le temps de la renaissance. Ah, bah l'arrivée d'un bébé, par exemple ! Non, non, non. Ça serait plutôt une nouvelle crise. Ah bon ? Vous êtes pessimiste, hein ? Qui dit renaissance, dit nouvel équilibre. C'est la phase ultime. Ah oui ? Le fruit de la crise. Ah oui ? La phase 5. Ah oui ? Et vous, là, vous vous sentez plutôt en phase de crise ? Je suis à fond dans la phase 2. Résistance. Et vous ? Pareil. Au revoir alors, Thierry.